Bonjour, Louise. Bah, il est où ton petit frère? Il est pas là, encore malade, c'est ça? Tu parles, il est jamais malade. Il colle le thermomètre à une lampe et fait semblant. Et maman, elle voit jamais rien. En même temps, qui va apprendre plein de choses à l'école, va devenir médecin ou astronaute, alors que son frère restera le chouchou à sa momo? C'est ça. نبات زيت يوارن ريركينا كوارن ولا هناك صنع هاي عدي قنا وانتي أنا هاي مالين وانك سنزية Salut Bernard! Ah, c'est Bernard le renard! Allez, Gary! Bernard, 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 assis, Bernard, assis, Bernard! Bernard, Bernard! Don't move or I shoot it! You understand? You understand? Nobody move! No talk! Border Somalia now! Okay. Il t'en manque combien? 4. Et toi? Madame tous. Madame, s'il vous plaît. J'arrive. Bon, c'est bien, on va Monsieur, on va pas à l'école? Stop! Écoutez-moi maintenant! Vous restez tous assis! Je veux plus un seul bruit! Sinon... You slow, you die. You understand? You stop, you die. Speed. More speed. Don't let them pass you! Come on.
Speed! Speed! Fermez la frontière! Fermez la frontière! Vous m'entendez? Bien sûr, les gars, mettez l'AS! Idiots, don't close the border. Get out of your seat. Do not waste my time. Come. Please, officer. You see the soldiers? Tell them to go. Now. You understand? Now. C'est bon? Doucement, chérie. Mais ça fait mal. Montre-moi si ça fait mal. Je vais te dire ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Quoi? Bah, ils se sont trompés de côté, là. Tu dis n'importe quoi. C'est que j'ai jamais eu l'appendicite, moi. Ça veut dire que t'es toujours un enfant, ça? Exactement. Bah, c'est fini, oui. Moi, je suis un enfant. Monsieur Jarvel, on vous demande au téléphone. Merci. J'écoute. Très bien, merci. Pierre Sandré, tu me réunis Lorca, Camper et Larin, je te rappelle. À toutes. Vingt-et-un otages, tous des enfants, retenus par trois ou quatre terroristes dans un bus, en moment de scinde entre la France et la Somalie. Des revendications? Autonomie et départ immédiat de la France, libération de tous les prisonniers politiques, rien de très nouveau, rien d'acceptable en tout cas. Sous prétexte que trois des gamins sont citoyens américains, les Yankees nous mettent la pression. Ils ont envoyé un conseiller militaire pour nous forcer la main. J'ai eu le général Favrard, qui commande les forces armées là-bas. La Légion va se déployer sur place, mais il est peu probable qu'ils interviennent. Pourquoi? La plupart des gamins viennent de leur base. Compréhensible. Et puis, qu'est-ce qu'ils feraient de toute façon? Y aller à la baïonnette, à la mitrailleuse? Ce genre de situation, c'est pas leur fort. Du coup, les conseillers du président se font dessus. On négocie, on est des lâches et on s'affaiblit dans la région. On intervient, on a des enfants morts au journal du soir, potentiellement sous nos balles. Donc? Vous voyagez en civil pour ne pas alerter la presse. Vol régulier jusqu'au Caire. De là, vous rejoignez un transport de troupes, vous vous mettez en place et vous attendez les ordres. Va falloir montrer ce qu'elle a de spécial, votre unité spéciale. Très bien. Michel, j'en fais quoi, moi, du conseil américain? Ça, tu te démerdes. Et n'oublie pas que tu es au service de la République. Et que la République, c'est nous. T'as vu? Je pense qu'elle peut dire oui. Cazeneuve a dit rester en tenue civile et je l'avais dans ma poche. Je
J'étais censé dîner avec Cécile ce soir. Allez, sérieusement, tu penses qu'elle peut dire oui ou pas? Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Ok. En fait, j'ai pas peur qu'elle dise non. J'ai peur qu'elle dise... qu'elle soit un peu... qu'elle dise oui. Ok. Copain, c'est pas mon métier. Hé, regarde. Avec un vieux manteau de maman, j'ai découpé ça. Ensuite, tu prends une paire de bretelles. Il suffit de faire un point là. Là. Tu vois, les armes, c'est un alibi. En fait, la vraie passion de Georges, c'est la couture, quoi. Puis ça s'arrange pas avec l'argent. Il y a un problème avec mon âge? Ah non, non, pas du tout, non. Mais tu vas en faire quoi de tes joujoux quand tu seras derrière un bureau? Ben, je les offrirai à ta femme. Bon, ben, tu sais très bien que j'en ai pas. Le jour où je me marie, tu seras demoiselle d'honneur. Et Georges, c'est quoi ça? Ça, c'est pour me faire beau pour toi, mon chou. On va vous rajouter ça sur la liste. Hein. C'est chou. Hé, Camper. T'es déjà allé en Afrique, toi? Ouais, quand j'étais appelé. Et tu sais comment? Fait chaud. Non, mais je veux dire Djibouti, c'est comment? Fait très chaud. Ah, commandant. Bonjour, capitaine. On nous a pas prévenu à temps, je viens d'avoir l'information. Ah, vous inquiétez pas pour ça, toutes les armes vont aller en soute. Non, mais écoutez-moi, le problème, c'est que mon avion est plein. Comment ça, plein? De passagers, ils sont tous à bord, j'ai plus de place, moi. Écoute-moi bien, connard, si tu peux casser les deux jambes avec ma main, tu vas nous laisser sauter dans ce putain d'avion. T'as compris? Mon Dieu. Capitaine? Capitaine, je suis venue me porter volontaire. Volontaire? Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous foutez là? Je suis l'institutrice des enfants. Volontaire pour les rejoindre dans le bus. Écoutez, madame, vous allez rejoindre les parents en ville, d'accord? J'ai assez d'ennuis comme ça. Non, non. Les parents n'ont pas besoin de moi. Les enfants, oui. Ils sont seuls là-bas, je peux leur être utile. Écoutez, madame, j'ai été clair. Personne ne s'approchera de ce bus sans mon autorisation, d'accord? Maintenant, vous dégagez. Dégagez, s'il vous plaît. Madame, revenez! Revenez! Capitaine? Mon général. C'est quoi ça? C'est l'institutrice des enfants, mon général. Eh ben, bravo. On vient de passer à 22 otages. C'est Christiane, elle vient nous chercher. Stop right now! Go back, woman, now! I'm the children's teacher. I just want to see them. I'm American, not French. You're American? We don't need you here, teacher. The children are okay. Now go back. They're okay for now, but soon they won't be. You'll need help with them. The driver is gone. I can help you. If the French want to save the children, they'll be okay. I've seen them prepare. I swear you'll need me. So tell me, what are they doing? They brought in the Legion. Are you okay? Les enfants, tout va bien se passer. Je suis là. Okay?
Alors, qui a faim? Qui a envie de faire pipi? Je vais voir à quelle sauce on va se faire manger. Ça roule. Philip Schaeffer. Capitaine Gerval, c'est vous le conseiller militaire? Relax, Captain. Je suis observateur, c'est tout. Vous parlez bien français? J'ai fait 3 tours en Indochine. Au Vietnam, vous voulez dire? Oh, good. You speak American. Je le comprends. Enfin, de là le parler. I'll teach you. Pierre, on décolle! Putain, vous êtes sûr que c'est la France, là? On dirait Nanterre. Oh. Oh, putain. Monsieur? Sœur? Excuse me. Your Ulster, it's real? Enfin, je veux dire, c'est le même que Clint Eastwood? Je peux le voir? Moi aussi, j'en ai. J'en ai un. C'est pour ça qu'on a choisi Georges. Pour nous tenir informés des dernières modes. Moi, je croyais qu'avec un seul critère pour lequel on était sélectionné dans ce groupe. T'inquiète pas pour mes résultats au tir, mon gars. Thank you. On a tous été choisis pour la même raison. La vraie question, c'est pourquoi t'as accepté, toi? Pour les cheveux. On m'a dit que j'aurais pu me les faire couper. C'est beau, la jeunesse. Et toi, pourquoi? Ah, moi, j'avais pas vraiment le choix. Le génial, il me fout dehors. Tu vois, Georges, ici présent, il a voulu prouver qu'il pouvait déposer une grenade sous un char avec une voiture télécommandée. Oui, ça va, je me suis un peu planté. Un peu planté? Mais t'as fait exploser le dépôt de munitions de la base de hier. Non, la moitié du dépôt. Mais une grenade anti-char sous un char, Georges! Oui, bon, voilà, ça va, ça va. Et toi, lieutenant, pourquoi t'as accepté? On a fait nos classes ensemble à Chaumont. Fais gaffe, petit, le lieutenant est là par conviction. Et Larin? Que c'est le meilleur. Bernard, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien fait, madame. Je me demandais si on allait à l'école. Ok, Bernard, ok. Ok. Il va falloir qu'on soigne ça. Mais ne t'inquiète pas, je m'en occupe. D'accord? D'accord, madame. Merci. Tu n'as pas froid? Non, ça va, madame. Essaie de te reposer. Okay. Ça va aller. What do you want, teacher? Did you hit that kid? He's injured. He needs medical care or it will get infected. Let him go. Inshallah, he okay. No, he's not okay.
One won't make any difference. Maybe I kill him now. Simpler. Well, that would upset the Legion even more. Go back inside, teacher. Putain, pauvre gamin. Alors c'est vous la cavalerie? On m'avait promis l'élite de la gendarmerie. Eh ben, ça promet. Lequel d'entre vous est le capitaine Gerval? C'est moi, mon général. Firmin, trouvez des quartiers pour les hommes du capitaine. Vous êtes le fils Gerval, celui du colonel Gerval du 11e choc. Comment va-t-il? Il est mort, l'année dernière. Alors c'est vous le cow-boy de la CIA? Ben, faites pas cette tête, mon vieux, vous n'avez pas non plus le physique d'un diplomate. Allez, venez avec moi. Il a pas tort. C'est quoi ces guignols? Faut que j'y aille. Pourquoi? Vous vous ennuyez déjà? En reconnaissance. Il faut que je m'approche pour trouver une bonne position de tir. Calmez-vous, mon vieux, pour l'instant, on n'y voit rien. Et si ça se gâte, il vaudrait mieux qu'on soit déjà en place. Au cas où. De toute façon, vous n'avez pas encore d'ordre de Paris, et moi non plus. Et les enfants dorment, maintenant il ne se passera plus rien cette nuit. Bon. Parlez-moi des preneurs d'otages. Ramani. Alors, on a 4 individus, lourdement armés, tous membres d'un groupe de rebelles qui demandent leur attachement de Djibouti à la Somalie. Pas d'ultimatum? Ils nous ont fait passer le message. Demain, au coucher de soleil, ils exécutent les enfants. Il y a du mouvement. C'est quoi ce bordel? Il va où, ce con? Dites-moi, chef Fer, vous saviez que les Somaliens laissent aller et venir des terroristes? Bien sûr que je le sais. Ils se battent pour la même cause. Appelez-moi Paris. Gerval. Allez faire votre connaissance, mais restez à distance. Bien sûr. Ramani, accompagnez-le. Je vous emprunte ça. Be careful, I like my... jacket. T'as vu que le rail de fixation de mon optique, parfois, il bouge. Hein. Ah ouais? Ah, putain, ça a condensé. Ouais, tu vas nous démerder ça, hein? Attends. J'avais bien que ça allait servir. Ah. Tu penses que le matos va tenir avec cette chaleur? Ce sera pas le matos, le problème. Le problème, ce sera nous. T'en penses quoi, franchement? Ouais, c'est super. Elles font combien, leurs lames, là? 20 cm? 22. Baïonnette réglementaire. On est loin du tir de précision, hein. Mais en même temps, c'est la Légion. Ouais. On fait vraiment pas le même métier. Vous êtes vraiment des fiottes. Il est bizarre.
bizarre, quand même. Vous connaissez le jeu du marteau? Ça se joue à deux. Chacun prend un clou et l'enfonce un tout petit peu dans une table. Tu te noues un foulard bien serré autour du front. Et chacun son tour. Le premier qui a enfoncé le clou a gagné. Avec la tête? Non, avec ta bite. Évidemment, avec la tête. C'est le jeu préféré de ces gars ici, la nuit. Il est où, Jean-Luc? Je fais des copains. Lara! Lorca, prenez vos fusils, vous venez avec nous. Je pars en reconnaissance. Vous allez vous poster sur un toit en couverture. T'avais quel âge, toi, la dernière fois que t'es monté dans un bus comme ça? Moi, je crois que je devais avoir 12 ans, à tout casser. T'en as rien à foutre, en fait, toi. T'es pas le genre de mec à avoir des gosses ou à en vouloir. Tu sais comment ils t'appellent à la caserne? La machine. Alors, je sais bien que t'es le meilleur tireur et tout ça, mais putain, tu pourrais faire un effort, mon vieux. Tu sais rien, Lorca. T'es juste une bouche qui parle à tort et à travers. T'es bon tireur, mais tu serais 100 fois meilleur si t'arrêtais de parler. C'est exactement ce que je dis. En fait, t'en as rien à foutre. Tous ces mômes-là, t'en as rien à foutre. On s'en fout des mômes. On s'en fout des mômes. Les victimes, les rescapés, c'est du boulot pour les psys et les politiques. Mais seulement si t'as fait ce que t'avais à faire. Toucher ta cible. C'est ça ton problème. T'en as pas d'autre. J'ai 3 enfants. Si tu le dis à quelqu'un, je t'égorge. Putain. Il y a nulle part où se planquer. Gerval, on est trop près. Gerval! Gerval! Merde. Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Il croit qu'il va régler le problème tout seul, ou quoi? Kale. Kurbanhaya. You want to hold my skirt? I'm just going to go around the bus, okay? Can I have some privacy? Ma'am? Yes, ma'am. No! It was a snake! I'm okay. I'm coming. I hate snakes. Thank you.
Teacher, we have some friends. Oh! Oh! Qui a allumé ce putain de projecteur là? Éteignez ça immédiatement! Vous êtes qui vous? Gendarmerie! De Paris! Ah! Ah les gars, c'est les cadors de la métropole! Ah ouais! C'est parce qu'on sait, vous avez peur dans le noir qu'on a allumé. Ah, c'est bon les gars, on est du même côté, ça va. Ah bon? Non, je crois pas, non. On est vieux tapés dans ton genre, on en fait partie. Dis donc, Brota, je crois que t'as sucé trop de chefs dans le désert pour parler comme ça. Ah ouais? Non! Vous avez des soldats! Attention, hein, je suis lieutenant. Ah ouais? Ils sont où tes barrettes, gendarmettes? Ah non, c'est vrai, lieutenant, on est en civil. Je suis peut-être une tapette, mais je suis pas vieux, bordel. Ah bah, ils les aiment pas tant que ça, en fait, les légionnaires, Camper. C'est quoi ça? Il lui a parlé de son âge. Ah oui. Ok. C'est quoi ce bordel? Capitaine, vous allez changer de ton immédiatement. C'est quoi ce bordel, mon général? Et c'est de la diplomatie de terrain. Ils allument, alors on allume. J'aurais pu me faire descendre. Merci. Sinon, c'était comment votre balade? Le terrain n'est pas évident. J'ai trouvé un emplacement, ce sera pas l'idéal, mais bon. Et où votre copain? Le hippie, là, de la CIA. Suivez-moi. Firmin, amenez-moi chez Fer, même s'il est aux chiottes. Alors, c'est quoi votre truc? Un tir simultané. Un quoi? 5 fusils synchronisés. Une seule détonation. Quand tout le monde tombe en même temps, il n'y a plus personne pour riposter. Bravo. C'est vraiment faisable, ça? Quand on est bien entraîné, oui. Et vous avez déjà essayé en dehors de l'entraînement? Affirmatif, mon général. Et alors? En mission une seule fois. Ça a marché? Pas parfaitement. Eh ben, c'est rassurant. Vous en pensez quoi, vous? I'd love to see that. Et si la Somalie engage? On aura besoin de votre aide. Ce sera un ban sans règle, les enfants mieux. Vous avez mis à proposer, général? Vous pouvez nous laisser une minute, Schaeffer. Vous y croyez à vos conneries? Bien sûr que j'y crois. C'est pour ça qu'on a créé mon unité. Intervenir sans faire de mort. En tout cas, pas dans notre camp. Why are you here in Somalia, teacher? That's a long story, and I don't share it with strangers. You like the French? I don't care about the French. I care about the children. The white children? Any color. You know, this is not a place for a nicer girl like you. You should go find good a husband and have your children. Maybe I had a good husband. Maybe I even had a kid, lots of them. Maybe they died in a plane crash. Or maybe they're at home, waiting for me. Maybe I'm just someone who likes to live in godforsaken shitholes like this.
Or maybe this is all bullshit. Today, my life is with these children here. And I'll do anything to protect them. I was a teacher too. Long ago. And I care about the children too. The children of my country. So they can be free one day. Want some cat? Marado, mahatwale kala dek dek ta. Wahansu kana aftuka makansemale ala tidno inandilno. Hadikale, wan kudan hadat sida adonasi. Naktan iskai lali. Forcenée, celle dans la tâche, ça avait la même valeur, c'est pas ça le truc. S'engager pour la vie, c'est pas ça notre devise. On n'est pas là pour savoir qui a tort ou qui a raison. Ils ont pris des enfants en otage, mon pote. Tu devrais même pas te poser la question. Toi, t'as pas répondu à la mienne. Deux fois. J'ai descendu deux mecs. Et ça me réveille encore la nuit. Pas toutes les nuits, hein, mais... Voilà. Soit t'acceptes ça, soit tu t'en vas. Ou alors tu fais comme Lara, et tu te convaincs qu'une cible, c'est une cible, qu'elle soit vivante ou en papier. Et là, tu deviendras un enculé. Pierre, s'il te plaît. Bon alors, les gars. Voilà comment ça va se passer. Rassemblement à 5 heures précises. Le terrain. Français, Somalie, bus. Ça, c'est notre position de tir. 250 mètres, tir fichant. Capitaine, Paris en ligne. Pour le moment, vous vous mettez en place et vous n'engagez que s'il n'y a qu'un seul terroriste à bord. On ne va pas prendre le risque de blesser un enfant. Je comprends pas l'ordre, madame. Les preneurs d'otages sont actuellement au nombre de 4. Il peut arriver que l'un d'entre eux s'éloigne, mais 3 en même temps, c'est impensable. En attendant, on prend le risque qu'ils évacuent les enfants de l'autre côté de la frontière. Et là, on les reverra jamais. De toute façon, je le répète, la diplomatie est en bonne voie de trouver une solution. En bonne voie ? Ils sont en face de nous, là !
On a 20 gamins en danger de mort et vous nous bassinez avec votre putain de diplomatie. Arrêtez l'hystérie, Gerval, voulez-vous ? Si vous voulez négocier, ça fait... Attends. Si vous permettez, madame, j'ai moi-même pu constater des mouvements suspects côté somalien. Vous commencez à m'emmerder, tous les deux. Si j'ai envie de discuter, j'ai un club de bridge pour ça. Vous avez vos ordres ? J'ai rien à ajouter pour le moment. Fait chaud. T'as encore rien vu, mon gars. Putain, il nous faudrait du talc, hein. Pour le cul de l'Arca. En position. Larin, vous prenez chemise orange. Camper, vous vous occupez de moustache. Pierre, tu prends Bob Marley. Lorca, le chef, je prends le report de tir. Passez le code. Un prêt. Deux prêts. Trois, prêt. Non. On recommence. Un prêt. Deux prêts. Trois, prêt. Quatre. Guêpe à Renmer. Ici Renmer, à vous. Le tir est prêt et dégagé. Quatre cibles. Demande permission d'engager, à vous. L'ordre du tir n'a pas été modifié. Terminé. André ? Ouais. On attend quoi, là ? C'est quoi l'ordre exact ? Repos. Pour l'instant, l'ordre est de ne tirer que s'il n'y a qu'un seul preneur d'otages dans le bus. Quoi ? Comment ça ? C'est connerie. Non mais t'es sérieux ? Pourquoi on est cinq alors ? J'ai dit pour l'instant. Faut laisser le temps à la diplomatie de faire son boulot. On attend quoi ? Que Giscard nous apporte des petits fours ? On attend l'ordre. Si on pouvait plutôt attendre au bord de la piscine de l'Intercontinental, moi je... On parle pas, putain. Ça suffit, en position les gars. On reprend le code.
Putain. On rentre comme dans un moulin dans ce bus. Ça, c'est marrant. Hein. C'est exactement ce que Cazeneuve disait hier de ta fiancée. Ah non, écoute pas le rouquin. Il est pas fait pour aller au soleil, c'est plus ce qu'il dit. Passez le code. Vous parlez de ma fiancée ? Un prêt. Deux prêts. Non. Putain, faut qu'ils arrêtent de bouger, ces gamins. On reprend. À Gap. Ici Gap. Le ravitaillement du bus descend, vous pouvez vous mettre au repos. Terminé. Reçu, Renmer. Terminé. Repos, les gars. Larin, vous restez en observation. Capitaine. Ouais. À 2 heures, capitaine. Guêpe à Renmer. J'écoute, à vous. Ça bouge beaucoup côté somalien. Vous pouvez préciser ? Au moins une section d'assaut et 2 MG-42. Soixante douaniers armés, ça fait beaucoup pour un petit poste frontière, non ? Pour Paris, toujours aucune activité suspecte côté somalien. Ah bah si, pareil dit. Compris, terminé. Camper. Pardon. Ah non. Bah quoi ? Ça va, c'est la chaleur. J'ai les sphincters fragiles, moi. Putain. Ouais, Georges, merde. Vite, vite. Tu peux laisser quelques enfants partir. Tu peux rendre les choses faciles, tu le sais. Don't worry about what is easy for me, Arab. Dans ce cas, tu peux peut-être me dire avec qui on peut négocier, non ? Négocier ? There is nothing to negotiate. Is that what you did in Algeria? Negotiate? Let him take the injured kid. Shut up, teacher! Y a un enfant blessé? Let the girl go! Put her back in! Laisse ton arme. Don't make me shoot you! Laisse ton arme. Move! Capitaine, on a un problème. En position. Immédiatement. Guêpe à Renmer. Ici Renmer. Ramenez une petite avec lui. Ils les tiennent en joue. Don't make me shoot you! Calme-toi. S'il vous plaît! Calme-toi. S'il vous plaît! Put your gun down! Pierre, j'en vois que 3. Pareil. De l'autre côté du car, à l'avant. Petite est dans ma ligne de mire. Est-ce que vous pouvez engager? Négatif. Trop risqué. Trop de mouvement. Laisse ton arme. Calme-toi. S'il vous plaît! Laisse ton arme. Let them go! Show good faith, Barkhad. Nagamos naya! Essentium Barkhad! Ha up soon! Laisse ton arme. Ana Ugwa Hansam. Let's gun down! Qu'est-ce que vous attendez, bordel? Allez-y! Serval, ils vont descendre! Ferme ta gueule, toi. Camper. Je l'ai. Cazeneuve. Asti, t'es très prêt. Seulement si c'est propre. Don't take another step! Laisse ton arme. Les enfants!
Allongez-vous sur les banquettes et fermez les yeux. Maintenant! Shut up! No! Don't take another step. Baisse ton arme. Not here to show good faith, teacher. André. Oh, André, qu'est-ce qu'on fait? Posez vos armes. Capitaine, ils ont buté un gendarme. Posez vos armes! Vous a pas suffi, Lorca? Vous voulez quoi, un carnage? On est là pour sauver les enfants, pas pour jouer les héros. On va intervenir, mais à notre manière. C'est compris? Quand même une chance de le sauver. Et surtout une chance de perdre le gendarme, mais aussi l'institutrice, et de démarrer une boucherie. Ça aurait pu très mal tourner, mon gars. Moi, je veux pas d'enfants morts sur la conscience. Un gendarme mort, ça te fait rien? Ça aurait pu être toi, là, ça aurait pu être moi. Vous pouvez rien faire, le type, c'est la petite qui lui a sauté dessus. Ferme-la, Lorca. J'aurais trop bien pu virer la gosse et la mettre avec les autres. C'est à ça que ça mène de se prendre pour une assistante sociale. Je peux rentrer à la maison. Toi. The boy that you hurt. It's getting worse. Let me go and get medicine for him. Never quit. You have no idea. Ah. Ati madem. Ya matin. Baski basodu. Wahan derin don. Mahalipka. O waqta gawgu. Wana eksin. Diyak nokta. Go. Yeah! Take the boy with me. Please.
André. On va pas être assez nombreux, là. Hein. On dirait bien, ouais. Eh, les gars. Ou je sais pas, mais moi, je me ferais bien une petite mousse. Georges. Quoi? Ferme ta gueule, s'il te plaît. Repos, les gars. Lorca, vous venez avec moi. Pierre, tu prends le commandement. Not doing anything. Five shooters. No, Captain, just five. They're gendarmes, it's okay. Mon général, pour Amani, je voulais vous... Laissez tomber, capitaine. Vous ne pouviez rien faire. J'avais tort. Allez chercher de l'eau et le ravitaillement pour les hommes du capitaine Gerval. Lorca, donnez-moi un coup de main. Les hommes vont plus tenir très longtemps, mon général. Il va falloir prendre une décision. Repliez-vous. Pardon ? Rassemblez vos hommes. Si Paris avait voulu donner un ordre de tir cohérent, il l'aurait déjà fait. Son Pierre a été très clair. Un seul terroriste à bord. Je comprends pas, là. Vous faites de la figuration pour calmer votre copain, là, qui n'est pas dupe. Hein. Le temps que nos petits énarques trouvent la bonne personne à payer. Et ces types-là, c'est pas de l'argent qu'ils veulent, c'est leur pays. Personne n'est avant dans cette histoire. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Ramani ? Les gamins sont les prochains sur la liste, et vous le savez très bien. Vos hommes peuvent tenir encore combien de temps ? 3 ou 4 heures, pas plus. Très bien. Une fois qu'on aura tiré, ils pourront pas réagir. Ils comprendront pas ce qui s'est passé. Les enfants pourront monter à pied jusqu'ici, on les couvrira. C'est ça, votre plan? Oui. Bon. Ben, si Paris trouve la foi, je veux bien rentrer dans les ordres. Il me manque un tireur. Monte là. 3 tours au Vietnam. Vous savez tirer. Officiellement, je suis même pas là. C'est trop facile, mon vieux. Vous voulez que j'y aille? Vous allez vous salir les mains aussi. De toute façon, personne ne le saura. Ça serait plus simple si je pouvais communiquer avec le cœur. C'est-à-dire? Briefer l'institutrice, par exemple. Vous voulez me parler? Et depuis ce qu'ils ont fait aux gendarmes, ils s'attendent que la Légion débarque à tout moment. Je pense qu'ils veulent calmer le jeu pour l'instant. Tenez. Merci. Ça va mieux? Ouais, merci. Voilà. À part les fusils d'assaut, vous avez vu d'autres armes? Oui, le chef a un pistolet. Ok. Des explosifs? Des grenades, une ou deux par homme. Ils commencent surtout à être très fatigués. Ils sont en manque de 4 et très agressifs. Ils attendent le coucher de soleil pour évacuer les enfants vers la Somalie. Bon. Bah, je vais appeler Paris, moi. Il faut faire vite. Les enfants vont pas tenir longtemps. By the way, who the hell are you guys? On est ici pour vous sortir de là. Vous allez sortir avec tous les enfants en rang 2 par 2. Comment? Nous allons sortir en rang 2 par 2? Ouais. The French are usually arrogant, not suicidal. On a 2 sections de la Légion en couverture si ça tourne mal.
Ça devrait suffire. Par contre, il va falloir que les enfants se tiennent tranquilles. On peut pas prendre le risque d'en avoir un qui passe dans la ligne de tir. Mais ils ont entre 6 et 12 ans, capitaine. Il fait chaud et ils sont retenus par des dingues depuis plus de 24 heures. Je ne pourrais pas faire de miracle. À part en les droguant, peut-être. Ça doit pouvoir s'arranger. Dame. Parker. Merci. Il va nous falloir des somnifères, beaucoup de somnifères. On va se remettre en position, mon général. Je tiens encore au paradis. Merci. Qui est partie en maison de retraite. Hein. La partie chouette. Tu veux pas venir le voir? Arrête avec ça. Pourquoi tu veux que je déménage de chez maman? Je suis bien, moi. J'ai de la place pour faire mon bazar, j'ai pas de loyer. Elle est super, Mireille. Puis si je pars, comment elle fait? Hein? Puis moi, comment je fais? Lieutenant, vous devriez venir voir ça. À 2 heures dans la Jeep au fond. C'est quoi cette connerie? Teacher, you're coming back. Good for you. I say what I do and I do what I say. Alors, les enfants, chacun une bouteille. Il fait très très chaud. Quand il fait chaud, on boit beaucoup d'eau. Bonne chardine. Chardine? Merci, Condé. Ou alors, on fait un petit sourire. Un petit truc. Merde. Ça me fait une demi-heure que je l'observe. Alors c'est peut-être pas lui qui commande, mais il donne beaucoup d'ordres. En courant? Non, on n'était pas sûr. Et c'est quoi? GRE, KGB? Plutôt KGB. I wouldn't do that if I were you. Si vous promenez Paris, c'est plus un ordre débile que vous aurez, mais une interdiction. André? Je sais tirer, bien sûr. Mais votre truc en simultané, là, je suis pas entraîné pour ça. C'est centré. Hein?
On compte jusqu'à 3. Pardon ? Chaque tireur donne son numéro. Vous serez le 5e. Je vous indiquerai une cible. Si le tir est dégagé, vous dites 5 près. Je suis le dernier. Si ma cible est claire aussi, je dis 0. On compte jusqu'à 3 dans notre tête. Et on tire. C'est ça votre truc, compter jusqu'à 3. Voilà. Pourquoi 0 et pas feu ? Feu, c'est trop stressant. Hein ? Allez, les gars, en position. Schaeffer, à ma gauche. Larin, vous prenez le géant. Schaeffer, vous prenez la chemise orange. Préparez-vous. Passez le code. 1, prêt. 2, prêt. 3, prêt. On reprend. 1, prêt. Francisco, wale kupa? Wa, wale ba? Ini ispideli tuntu. Wati koko umbe, karnean. Qu'est parrain de mer ? J'écoute, à vous. Il se prépare à évacuer les enfants vers la Somalie. L'un des hommes a quitté le car. C'est le moment d'y aller. Négatif, Gep. Paris ne valide pas le tir à plus d'un terroriste dans le car.
Je vais être plus clair, mon général. La nuit va tomber, mes hommes aussi. S'ils évacuent les enfants, on les reverra jamais. Vous comprenez ça? Négatif, Gep. Les Somaliens ont été clairs. Toute tentative sera interprétée comme un acte de guerre. On n'aura sans doute pas d'ordre de l'Élysée, et dans quelques heures, les enfants seront Dieu sait où. Si on plie maintenant, et on rentre à la maison, si on sauve ses enfants, voulez-vous prendre le tir? La question est simple. Mais... Vous voulez faire quoi, capitaine? Non, Camper, ça vous décidez pas à moi. Comprenez bien que sans ordre présidentiel, on risque gros. Tous. Par Edmer. Ici Edmer. Soyez prêts, mettez votre section en alerte. Terminé. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on pouvait y aller. Il va pas y aller sans ordre. Vous croyez qu'il va y aller? Bah, c'est le code. Hein? Ouais. De près. Trois. Près. Quatre. Près. Cinq. Près. Zéro. André, qu'est-ce qu'on fait? On attend. Ils ont rien vu, ils savent pas où on est. Ils ont juste entendu un coup de feu. Rien de plus.
qui sauve en main maintenant. Je veux bien croire que, du côté des diplomates, vous ayez toutes les assurances d'une parfaite neutralité. Maintenant, je suis sur place. Et je vous assure que si une décision rapide n'est pas prise, il n'y aura bientôt plus ni enfants, ni gendarmes. Je patiente. Ça va aller. Sors, 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 sors,
voit plus rien. Mais eux non plus.
Messieurs, vraiment, quelle réussite. Une réussite? Vous foutez de ma gueule? Vous appelez ça une réussite? C'est ça que vous allez dire aux parents de cette fillette? Et en face? Vous avez vu le camp d'en face? Vous nous prenez pour des bouchers? Vous étiez où d'ailleurs, général? On attendait les ordres, nous. Imaginez ce qui se serait passé si on y avait été à la mitrailleuse dès le début. Hein? C'est pas une fillette qu'on aurait sortie du bus dans un cercueil. C'est la classe entière. Merci beaucoup. Merci. Elle est moche, ta bague. Mais tu feras un bon mari.
Mmh.